Il se fait tard. Je me rappelle même plus la dernière fois où le baron s'est montré. L'autre aile est beaucoup trop exposée. Il y a un accès au quartier du baron? Pendant l'accident, il n'est jamais reconstruit. C'est la mort assurée. Tout capitaine est immunisé contre la visite. Capitaine, je réfléchissais. Mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'on n'avait personne pour garder les égouts. Je te demande pardon, Jason. Je t'ai donné l'autorisation de parler. Est-ce que tu veux que les fervents t'arrachent les yeux avec des labours? C'est le baron au lieu de l'enfermer ici. Ne réfléchis pas. Il est dans ses quartiers privés. Il n'est pas question d'aller autre part. Du général. C'est ça. Pourvu que celle-là tienne le coup. Je voudrais pas voir ta tronche juste avant de mourir. Je suis dans un trou de burette jusqu'au cou. Que je dorme. Quand les fervents forceront l'entrée, ils ne vont pas arriver en file indienne. Si les fervents arrivent à passer, on se met au dos. Il n'en reste plus. Ça marche ?
capitaine à la barre de son navire, Antoine Condé. Au nom de ce vieux fou, il faut colmater la brèche et empêcher les fervents de l'écorcher. Sinon, tu auras affaire à moi. Et je peux être beaucoup plus inventif que les insurgés. Si vous voulez me tuer, dépêchez-vous. Je cherche des réponses, et je vous conseille de me les donner. Mes réponses ne plaisent à personne. On m'a beaucoup parlé de vous. Cette terre est pleine d'énergie, vieille comme le monde. Primale. À moins d'y être sensible, elle est imperceptible. Mais on peut la canaliser, la modeler pour construire quelque chose. Par le passé, on l'a contrôlée en petite quantité. Mais je visais plus grand, plus loin. Et qu'est-ce que vous avez fait à Irine, à l'asile ? Quand la pierre a éclaté, et que le livre s'est détruit, l'énergie s'est comme réfugiée en elle. L'exposition à cette source a des effets terrifiants, elle torture le corps et l'esprit. Je sais ce que ça peut faire. Où est-elle passée ? J'ai essayé de purger l'énergie qui était en elle. Mais quand il a capturé Irine à Moira, mes rêves se sont envolés avec elle. De qui vous parlez, là ? C'est Aldous qui a enlevé la fille ! Aldous ! Vous connaissez son surnom, Orion. Mon frère. On a grandi séparés. Mais je l'ai réintégré dans la famille, parmi les éveillés. Comme nous, il était en phase avec la primale. Il était là lors de la cérémonie. Oui, en soutien. Mais maintenant, ses fanatiques recherchent la pierre. Pourquoi Orion l'aurait enlevé ? Il prépare sûrement un nouveau rituel. Et vous avez été à l'Arba très obéissant, apparemment. Et d'abord, vous avez volé pour lui l'anneau de Cornelius, hein ? Puis le livre. La pierre dans le donjon. Et s'il trouve l'ultime... Votre œil. Vous y étiez, je m'en souviens ! Vous êtes la dernière pièce. Bon courage avec la meute de mon frère. Les invités du baron sont arrivés. Pendant qu'ils réduisent le manoir en cendres, je vais voir la salle de réception. Concentre-toi, et tu verras l'aube se lever.